Bonjour, je m'appelle Justine Dreher, je suis joueuse sur le Ladies European Tour. Tu viens d'où ? Je suis née en Allemagne, mon papa est allemand, ma mère est française, donc je suis franco-allemande et on a déménagé en France quand j'avais 11 ou 12 ans. Comment t'as commencé le golf ? J'ai un grand frère aussi qui a commencé à peu près en même temps que moi et mes parents aussi. Donc en fait, on jouait beaucoup au tennis et un jour ma famille s'est un peu mise au golf et donc vu que j'étais petite, j'étais obligée de les suivre. Et voilà. T'as accroché rapidement ? J'avoue qu'au début, j'accrochais pas trop et finalement, en fait, c'est vraiment l'année, enfin, c'est quand on a déménagé en France, l'été, premier été en France où j'ai accroché parce qu'avec mon frère, on allait au golf l'été et on s'est fait des copains au golf. Donc c'était nos premiers amis en arrivant en France, c'était nos amis du golf. C'est quoi tes passions en dehors du golf ? J'aime bien tous les sports. Quand j'étais petite, je jouais pas mal au tennis et j'ai un peu rejoué cet été et j'avoue que je suis en train de songer pour peut-être m'inscrire dans un club de tennis et me remettre un peu au tennis. Pourquoi tu représentes la France en compétition ? J'ai commencé le golf quand j'étais en France, donc quand j'ai déménagé en France. Et donc quelques années après, j'ai intégré l'équipe de France, donc j'ai toujours joué pour la France et voilà, ça ne changera pas. C'est quoi ta plus grande fierté ? J'ai toujours aimé les tournois par équipe, donc en amateur, je dirais les deux championnats d'Europe qu'on a gagnés avec l'équipe de France. Le premier, c'est parce que c'était la dernière année de Karine Mathiot. Et donc ça nous tenait vraiment à cœur de gagner pour elle. Et l'année d'après, c'était la dernière année amateur de pas mal de joueuses dans l'équipe. Et du coup, bah, c'était vraiment super aussi. Et ensuite, chez les pros, bah, toujours compétition par équipe, les championnats d'Europe avec Manon Mollet. C'est quoi ton plus grand rêve ? J'en ai beaucoup, donc, mais bon, depuis que je suis assez jeune, vu que toujours j'adore tout ce qui est par équipe, ben, la Solheim Cup, c'est vraiment mon plus grand rêve.